Bonsoir toutes amis radio et télépocho, c'est avec un pile plaisir et pour nous présent après-midi pour nous présenter au premier sortie proche au stade pour semaine et si là c'est un plaisir pour nous informer au soir sur le plan national et international. On c'est lui même qui a fait toute manœuvre technique, supervision docteur Yves Boissonnière, micro de présentation moi-même Adelson Kenito Junior et puis nous capable dire équipe plan qui au grand complet mettre la Hens Zigzag et Picker Vance. Mais pour n'a gain pour développer rapidement l'actualité à bien pas bon ici hier c'était combat entre bœuf et puis éléphant. Tout à l'heure n'a venir avec tout détail yo. Et puis à l'échelle nationale dans des semaines encore sélection nationale haïtienne pral gain pour jouer la Ligue des Nations de la CONCACAF. Et bien jusqu'à présent là et bien beaucoup bon côté et qui dit et côté sélection lui-même a bien pour recevoir un match, c'est grande interrogation. Et puis week-end était vraiment bon et bien pour jouer ça yo gain Charles Wall Junior et bien qui fait marqué en République Dominicaine, gain France Di Piero tout et bien qui marqué dans pays Israël. Et puis à l'échelle internationale, c'est championnat majeur européen eux même qui t'est joué dans 8e journée Liga espagnole, Real de Madrid cal gain équipe Girona et souterraine et puis n'a bien pour nous parler tout des championnats et Angleterre là Premier League là et bien côté ça va mal pour la ville de Manchester, tous des clubs et bien Manchester même arrivé perdu dans week-end ça. Et puis dans championnat italien la Serie A, Lautaro Martinez arrivé marqué un quadruplé et bien pour l'équipe l'Inter de Milan pour le gain équipe Salernitana. Et bien France Bayern et Paris Saint-Germain fait 0 goal dans chaque camp. Et demain c'est pour la deuxième journée Ligue des Champions. C'est tout point ça on a bien pour nous développer pour une actualité à rester branché. Nous prenons la pour un coup de pause, n'a tout. L'information est un savoir, l'information c'est le pouvoir. Radio Téléproche vous permet de comprendre, d'entendre et de voir le monde, le pays et votre entourage. Dans une quête d'objectivité permanente, chaque jour, les nouvelles sur Radio Téléproche vous transmettent le vrai pouvoir. 7h AM, midi, 7h PM, nous vous développons l'actualité avec la meilleure équipe sur le cadran. Sur tous les médias modernes, radio, télévision, réseaux sociaux et plus, accrochez-vous. Le monde tourne continuellement. Radio Téléproche, la stabilité sur la balance de l'actualité. Trois l'année sans choléra, vle di, ministère santé publique ak population pas détecté aucun moun ki gen maladi a pendant période sa. Mais bactérie ki bay choléra te toujours là. La besoin en pile temps avant li éradiquer. C'est seulement un spécialiste dans domaine la santé qui ka déterminé ou soit confirmé les gen maladi après test spécialisé dans laboratoire. Face à la maladie choléra, en pile fois, c'est moun qui perdit temps avant à l'hôpital, axi la yo qui pa konn sa pou yo fè, lè yo senti symptômes yo qui rive perdit la vie yo. Choléra ka traité facilement. Ça pi important, c'est pas perdit temps pour aller dans centre santé qui pi près là et puis ou ka tout commencer boire sérum ou préparer la caillou ou soit sachet sérum oral. Nous devons toujours appliquer principe hygiène yo dans toutes circonstances. Lavez men ak glo ak savon, bwè de l'eau qui traité ak produit qui fait ak Clorox, Aquatab, Jif. Fè bezwen nou nan toilette moderne ou soit nan latrine. L'autre fois, nous retournons, nous saluons tout le monde, tous les amis qui déjà est en bas live là, et bien c'est un plaisir et pour nous là avec vous après-midi. Bonsoir M. Laens, comment nous? Bonsoir Guinito, bonsoir Kodja Gallo, Wensley et Kevin qui là ensemble avec nous qui a chauffé du feu. Et puis tout le monde qui sur les réseaux sociaux nous dit bonne émission. Coach, comment nous? En forme donc nous là nous une bonne information. Ben juste avant que nous parler concernant l'actualité nationale là, mais qui j'en été hier ou même qui était présent dans la cité Anacaona côté qui était en combat qui était mettait face pour face à bœuf et puis éléphant, qui est-ce qui remporte le combat ça? Mais avant nous entrer dans
dans le combat de Flan, donc il y a une grande actrice, donc c'est Soubner. Soubner vient lui, donc un petit Léo Cavalier, un sportif qui joue dans le Parc Christophe, qui perd du petit lit, et non Modeline. Et donc vraiment, ça fait un monsieur mal, ça fait tout le monde mal. Donc nous disons Soubner condoléances, donc Radio Proche présenté dans toute équipe, nous disons Soubner condoléances à toute famille. Hein. Et nous espérons que nous disons une bonne traversée pour Modeline qui allait donc qui quittait nous qui prenait comme adresse. Oui. Donc Soubner, courage, donc famille Soubner, courage. Et hier, c'était. Est-ce que vous avez dit le clap de la fin? Je ne vais pas dire ça. Et hier, donc, il y a un combat qui a fait entre Bœuf avec éléphant. Et donc, je me dis, Bœuf, j'ai oublié un bon nom, monsieur, ni éléphant tout. Mais c'est comme on a parlé de la chose, j'ai nommé Bœuf là, on va m'emmener. Et qui sortit au Caï. Donc, c'est un combat, les organes au Caï. Et depuis 3h30, il y a des gens qui commençaient dans le parc là, devant le parc là. Le parc était bien chauffé. Donc, en avant, il y a l'école de football qui était bâillée en démonstration de combat. Et donc, c'était bien. Ensuite, il était arrivé à Bicho, donc qui était comme échauffant, donc qui était habité le combat ça. Entre plusieurs jeunes, entre les petites filles et les petits garçons, donc c'était bien. Nous voyons que les organes, comme sport individuel, a porté très bien dans le karatéa. D'autant plus que j'ai deux dans l'habitude, donc c'était dans la sélection nationale PIA. Et j'ai une qui était joué dans Vanviré, donc comme défenseur central contre le football. Et donc, qu'on connaît bien, qui l'a tout quitté là. Et puis, ce qui devait arriver, c'était Bœuf contre Éléphant. La fille du jour, donc tous les deux nominés, Bœuf faute avant. Et puis l'équipe libre au côté, les managers, public a bien applaudi en pile. Ensuite, c'était l'éléphant qui est venu monter. Alors, il dit Bœuf, les vibres à Kelly. Les vibres à Kelly, et depuis l'éléphant est venu. Donc, moi, j'entends les deux qui ont dit il y a un qui a pris l'éléphant bien. Je dis Bœuf, quel est le voyage de l'éléphant là. Finalement, et comment commencer à saluer. Il y a un petit problème, donc il y a une question de gants. Et moun pa le joua gan sa trop piti, et le papi na gan lui dit gan sa pas apte pour lui faire combat. Donc Bœuf me dit le pas pour faire combat à gan, c'est un menu. Ça passe même. Donc mais finalement j'ai trouvé que c'était un manquement dans l'organisation. Donc moi qui n'ai pas payé, donc j'espère que prochainement ça fête, donc la loi est une pour tous. Donc non, depuis le principe là, dans un premier temps, on a dit que il t'a promis deux tournées, Bœuf dit pas en fait deux tournées, et j'ai mis des kimono, mais moi quelque part ça a été dû. Et finalement, moi dit que dans le sport international, m'a tout dit ça, donc, au combien j'en voulais. Oui, moi, après, deux tournées, dans l'autre bail, moi, et puis, ça m'a dit mounio, donc, dans MMA, donc, qui c'est un sport de karaté, tout le monde qui a galéré. Je trouve que j'avais short boxe sur mes deux tournées. Oui, sauf dans judo avec judo qui fait ça avec et puis même dans lutte et dans boxe lutte, donc c'est une balle de boxe de tournée. Finalement Batanyo un gars qui monte sur lui, combat a commencé. C'était un combat qui était vraiment au senti, c'était Bœuf était souffri depuis le début du match, même elle était fait ne on débarrasse en saut. Mais on sentit que Bœuf vraiment était à la défensive. Parce que Bœuf, nous connaissons comme les crimes, attaquer en pile. Et Bœuf pas déjà attaqué, sinon que dans deux rares occasions, et Bœuf était un petit genre sur un pile stress. Okay. Alors que, il était rempli lui-même. Et donc, ça qui est arrivé dans. Dans le combat, ça, c'est de deux styles différents. Shotokan, contre Taekwondo. Il y a une qui disait main, une qui disait pied. Donc, je ne sais pas, j'aime bien Bœuf chance pour utiliser main. Sinon, que m'a dit ça clair, qu'il y a des coups vicieux que Bœuf a bail, qui est tenté bail, donc coup qui parle en jouette là. À savoir que dans le combat, ça, depuis Abidjan, il a toujours campé.
vous supposez camper. Ou pas gagner droit faire coup de poing derrière. Donc c'est ça, peut-être c'est ça qui pas de mort. Alors comme remarque, comme remarque. Et n'a dit bœuf te fait un petit jeu. Monsieur pas mon moto d'une fatigue tout parce que bœuf c'est ça le t'as cherché. Et tout le monde connaît que combien de fois bœuf triché déjà dans un combat ça. Moi dit ça donc il fait face avec T-Wash. Déjà dit qu'on est bas à tigre au scandale. Et il a tenté de faire avec Van Damme, donc Bœuf c'est un monsieur, un athlète qui travaille, etc. Mais peut-être qu'il n'a pas respecté, il n'a pas respecté le nom en combat. En combat international, c'est qu'il y a un pile coup, il y a un pile bagaille, donc mais Bœuf n'a pas respecté ça, donc Bœuf toujours aller hors de la limite, hors des limites. Et ça m'a dit, donc, et finalement, ils sont en action, donc. Bœuf, tu tentais à l'anticiper un coup, mais c'était pour mal aller. Il a frappé, il a retiré la tentative de blocage de Bœuf qui n'a pas marché, il a frappé Bœuf en bas de ses ventes. Depuis le ça, Bœuf n'est plus le Bœuf. Ça qui passé, ou dit le Bœuf qui a eu. Bœuf pas dessonné, donc le Vigé Chita. Le but c'est pas les briques, t'en briques pour le soigner. Et donc, on est remonté. Et puis, tu as pas le deuxième action encore, même genre. Bœuf retirer les vignes, il a fait coup de pied, Bœuf aller tirer les total. Et puis, nous, Bœuf tape boitier bas. Bon, Bœuf là, tu es obligé de relever la croix rouge, venir soigner les vignes, battre soin, parce que Bœuf vraiment pas de cas, prend appui sous pied. Donc, les gars ont chauffé pendant ce temps de vie, commence à faire noir. Donc, nous dit habite là, donc. Annulé. Il était annulé le combat parce que tu viens de gagner un mauvais esprit. Ce n'est pas du tout esprit sportif. Okay. Parce que je me dis, donc, c'est Bœuf qui dégénère le combat. Moi, je ne suis pas parti lui. Donc, moi, je dis lui. Donc, tout le monde dit, fâché, deal. Bœuf dégénère le combat, non, voulait passer par un coup vicieux. Donc c'est ça qui fait que et l'autre négatif même pour le défendre lui obligé tout à l'entrée dans faire des coups vicieux tout. Ok, donc même j'étais plus calme que Bœuf était vraiment essoufflé. Bœuf là t'es couru trop maronné qui s'est gagné, donc pour fois donc Bœuf pas de jambes prendre dessus dans match. Mais ça veut dire, je vais parler à la combat te vin dégénéré. Ça veut dire que. Il n'y a pas de côté dégénéré, donc il n'y a pas de voulait dégénérer parce que. Il y a un moment qui est arrivé dans la ville, j'ai rampé tout à séparé. Oui, puisque c'est pas qu'on gagne. Nous allons les combats parce que le public là lui-même, il dit éléphant. Donc, depuis le match à la base, ça a commencé à agir sur moi, Bœuf. Parce que le Bœuf ou la Kali, ouais, on a fier fou avec la bouche. On a applaudi l'adversaire. T'es gagné de quoi pour applaudir l'adversaire? Mouné regarde moi sans cacher, donc t'es gagné de quoi donc pour applaudir l'adversaire? Connaissant Bœuf, nous connaissons Bœuf, nous connaissons Mounou, nous connaissons Kok nous. Et puis, un jour ça, hier, Kok l'a manqué à battre. Kok a dit Kok l'a manqué soin. Kok l'a manqué soin, donc, mais nous respectons tout le monde, nous respectons Bœuf. Ça nous dit à la. Quand il parle français, c'est détruit, donc nous parlons détruit. Non, Bœuf est mon lacaroulier. Personne, donc, mais nous, Tiba là. Jean-Léa. Ok. Son reportage. Et donc, quelque soit mon ouais, il y a que c'est comme ça lui-même. Et donc, parce que ça qui arrive, donc, c'est parce que moi, comme journaliste sportif, comme ancien, tout ancien, donc, qui compte faire deux coutous. Qui compte faire deux coutous. Donc, moi, mais. On se dit 20 secondes, bon, une minute, 20 secondes, on prend ses coups de pied. Et on va prendre le gain. Ou même c'est qui ça? Oui. Bon, on va arrêter dans le combat. Éléphant pour te camper combat. Mais on est d'accord que éléphant
tu es supérieur bœuf en match. OK. Même pour match donc c'est match nul. Match nul, okay. Match nul. Mais tout le monde qui connaît donc comprend donc ce qui se passe qui fait match tu match nul et qui s'arrive donc si match tu continue Dieu seul sait ça que tu as gagné. Mais c'est dommage, Dieu, c'est un bel bagage, c'est une belle initiative. Public a été bon enfant, etc. Mais encore une fois, il faut me dire ton public là qui te fait, il recommence à pêcher mignon, ça a été un convivial dans la GSL là. Il peut dévoyer, bout d'être l'eau. Il n'y a pas qu'on n'a rien, donc c'est un public qui vraiment, et pas qu'on n'a rien, donc même dit ça, donc. Yo tous connaît combat qui pas comprendre rien hein. C'est ça qui fait que à partir de battre ça hier nous devons prendre le sort pour nous éviter 2-3 karatéka bon ici là. Ouais. Et dans l'émission ça pour venir bah mon certaines lumières donc mais comment on combat fait et n'éviter on habite tout mais comment on fait mais qui ça fait mais qui ça tout à fait. Mais c'est un bel bagaille, une belle ambiance t'es que monde t'es que monde dans mesure dimension et karaté parce que arrêtez par exemple le monde qui marche dans ça donc nous décidons de ouais gagner des bons petits communes donc c'est dans ça c'est qu'on s'en finit donc nous dit que c'est dommage qu'on va pas finir c'est dommage où t'es gagné trois petits jeux et c'est dommage où c'est bœuf il y a plusieurs la Cali qui t'es commencé à faire un petit jeu avant donc mon papa va dire ça donc et l'autre là lui-même gagne mon tour le budget pour c'est tout parce que pour protéger tête le budget fait lui parce que on les lie à terre donc Gabi l'a dit qu'on peut aller pour le coup de prix, donc l'obligé de défendre. Donc c'est dommage, donc même quelque. Et moi, mon petit conseil, on m'a dit un conseil salutaire, donc. Et dans le combat, ça, dans le champ de combat, ça, que Bœuf combatte avec les gens qui sont au niveau d'âge. Et même si ça, mais par exemple, même si on a un grand maître ou 55 ans ou qu'on a avec 22 garçons, mais il faut bien connaître l'élève combat. Donc, le combat, ce n'est pas tout le combat pour dire lui ni pour l'accepter. Ok. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que la différence d'âge compte énormément dans nos séries. Tout à fait. C'est mm-hmm. Et ça fait conseil de niveau. C'est important. C'est le bon conseil de combat karaté, conseil de bail qui vient de championnat karaté. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre. Donc, vous connaissez au fin de temps. Non, on va dans un boxeur qui est en bas catégorie. Oui. Poids plume, poids moyen. Poids moyen. Et puis, le gâteau même, il y a l'âge âgé tout. Oui, il y a ceinture. Dans tout, donc, ceinture, noir, ceinture, yeah. Noir, etc. Et donc, moi, je dis que c'était une belle ambiance. Et Bappé, donc, il a réussi ça. Mais quand même, avec un tireur de. Comment regarder ça encore? Donc, d'organisation. Mais qui n'est pas trop grave. Donc, Esprit n'a repensé ça et Bappé gagne l'autre combat encore qui prévoit donc pour Feli. Mais cette fois-ci, m'espérer que et nous-mêmes, espérer tous les choisis monde, nous choisi un adversaire qui, dans le niveau de notre âge bœuf, ne pas mettre le gourmet avec le monde qui peut petit parcelle. Parce que vraiment, et, la jeunesse, vraiment, hier, tout le monde a dit qui est imagine donc. Et Dieu seul sait donc ce qui est arrivé parce que je fais deux coups de pied que je fais. Ça gagne d'il. Il y a deux coups de pied que je fais. Donc si coup de pied ça te prend un bœuf, donc bœuf t'as pris un sang, il n'y a pas de casque, il n'y a pas de protection. Donc Dieu seul sait comment ça t'est passé. Tout est bien qui finit bien. Donc c'est comme ça qu'on battait. Nous dit compliment à Bappé, compliment à public là, compliment à Bicho et compliment à deux athlètes tout. Qui t'a accepté. Mais bon, bah tout, et Zagalo. Et puis bon, les combats à fait, il y a les deux catégories, parce que si on a fait Taekwondo bat Taekwondo. Bon, il va finir bon pour Taekwondo à battre un combat avec tout comme donc, c'est il fait combat ça tout, mais il est d'accord qu'il a fait, mais quand même, n'espère qu'on approche ça prochainement, donc il a fait. Et le combat et tout, là on est rentré dans le combat, on a dit la petite nègre là, pour le bas, pour le mettre à Tzouli, mettre kimono là. Son avantage, parce qu'il y a fait judo, pendant qu'il fait. Oui, ça son balai avec M. Balengal tombé, mais comme son couture, il a fait fou qui est tombé. Mais par exemple, il y a un combat karaté, donc sous fait prise judo, il y a bon faute. Ouais. Mais Bœuf, quel est fait judo tout. Hein? Bœuf, lequel est fait judo. Il n'a pas fait judo, mon cher. Non, parce que moi. Si le gars utilise un meilleur en pile, donc il y a qui vient, même genre, tant qu'il fait taekwondo à tout. Si pas si Melvin vient jouer pour le bon
pour que vous pouvez emballer à la baoule. Mais par exemple, parce qu'il y a le judo, donc non, il ne pas faire judo. C'est sûr, donc. Je ne pas le faire judo. Son petit vidéo, mon petit morceau, quand il fait des sauts, des sauts. Non, pas pour que c'est fou qu'il fouquait, n'est-ce pas? Il y a un kembe, là, il me fait maintenant fou, n'est-ce pas? Je t'ai dit. C'est bon pour judo, c'est pas qui bon les gars qui t'aiment pour jeter. Non, on connaît même pas qu'on est bon. Judo pas lui même, ça va être terrible. Son question posée. Et peut-être, m'a dit, comme Bef Sine qui est un choupette qui m'attendait, donc, il dit qu'à tout le monde, voilà, c'est tel. Moi, c'est de l'algou au judo. Mais. Donc, c'est comme ça, donc, tout le monde m'a pris, donc, c'est parce que combattre est belle, moi, content, donc, c'est comme ça, on est qui me dit, Bef, donc, c'est un monde qui gagne longtemps, qui goûte en pile, donc, qui goûte avec. Qui est fabuleux? Fabuleux, c'est un meilleur karatéka qui est dans le Léogan. En époque, fabuleux, c'est un flon. Oui, oui, fabuleux. Fabuleux, donc, peut-être un beau jour, par contre, il a fait monsieur Dune là. Il va le couper avec un pile fabuleux, donc, il est maintenant au niveau national. Et quand notre karatéka encore tout, qui a pris mon baron, qui a fait finale dans le championnat national. Et karaté, donc, qui malheureusement, dans la finale, a été un problème au niveau tibialé. Il était frappé non choc. Donc, si, avec mon nègre, le tibia était endommagé, mais pas de cassé. C'est alors moi, j'ai baptisé Didro. Et donc, tout le monde ne parle pas de ça. Moi, je lui ai dit ça. Donc, je me suis apporté tout, apporté Didro. Donc, qui gagne l'école côté lumière. Les lycéens. Les lycéens. Donc, voilà, on va comme ça. Si vous êtes karatéka, on va comme ça. Gros karatéka, donc. Et puis, tu as gagné Jean Wilson, Altidor, tu as gagné Blanco, et tu as gagné tout le monde, Eric, tu as gagné Gérald. Tu as gagné Patrick Savin, tout frère Loulou. Oui, Patrick Savin, tout, mais pas que ça. Les regrets mémoire. Ah, mais c'est pas comme ça, m'a pas ajouté pour vous. Jean Wilson, Hippolyte, ancien député, a gagné karaté. Non, pas comme ça. Ah. Eh, mais on a fait le fond au barbef. Et tu as gagné un gros karaté qui a gagné Bola Kaman. Il s'est bloqué New York, oui. Monsieur était tif enfant. Monsieur les Franz. Monsieur bloqué Bouclin, monsieur. Ça t'est arrivé même qui fait le débloqué Bouclin. Le Goumé. Ah bon? Et puis, tu as gagné un homme de Gonisato, ancien magistrat noir. Ancien magistrat noir, donc sans toi, ça l'excite de regretter mes mois. Oui, je connais le débloqué boxe. Tu as fait boxe. Nous avons du grand monde. Grand monde de et tout. Nous avons même deux jours fabuleux tout ça. Deux frères m'a parlé la France à Wallace là, deux frères oui. T'es gagné tout. T'es gagné et M. Tisson tout. Bino la France. M. Tisson. Tisson. Tisson karaté tout. Qui musicien qui karaté tout. Et t'es gagné Ajaka. Et Edgar Bomier tout c'était gros karaté et tout. Mais n'abdi n'est qui véhicule. Ma connaît si vous avez formation ça. Tout le monde qui dépasse dans le militaire, tous ces karatéka. Oui, tu as appris ça. Il y a une formation. Cool, il y a si la police là. Si. Promotion ça, si vous faites. Si vous faites, oui. Mais c'est ton discipline. Je fais ça, le défense, je fais tout ça, donc au niveau. Et le combat menu, le combat rapproché, donc je fais tout ça, donc c'est notre discipline. Donc moi, je dis que, à partir de là, donc, je suis le karaté à pas mourir, donc, Bappé. Avec le prochain film, donc, nous allons le mener pour bah découvrir le karaté ici. Karaté, hein. Et puis, donc, j'espère que Kenito, si Kenito t'a fait. La dégâts, il a fait des coups de karaté. T'as fait taekwondo. Et puis, c'est bon. Il t'a bon, mais. Yo, ouais, long, mais mon t'a fait ça, bien, taekwondo. C'est pour ça, ça va sembler à vous. Ça va sembler à vous. Ok, là, mettez un flacon. Nous allons aller là. Mais rapidement, nous avons quitté le dossier local là, et pour nous parler à l'échelle nationale. La sélection nationale haïtienne, Cap Gainpoul et jouer Ligue des Nations de la CONCACAF. Nous avons joué contre Suriname. Et puis match deuxième match lancé bral et match retour contre la sélection jamaïcaine de football. Jusqu'à présent, dans le moment qui n'a pas parlé à la FHF, qui est la Fédération haïtienne de football. Jusqu'à présent, beaucoup sorti on note pour qu'on ait qui côté que sélection lui-même Cap Gainpoul recevoir la formation jamaïque de football. Pas plaisir tous les deux qui jouent. Je ne ni femme ni garçon. Oui, mais jusqu'à présent. Ouais, donc, quand on voulait aller à Miami, donc, il y a un bon de $200,000 pour un match. Pour en faire un cahier là, non, pour un cahier.
C'est nous mettre des 10 000 dollars, nous avons payé 10 000 dollars américains pour que nous mettions 10 000 dollars américains. Ça va être terrible. Il y a Félix Sanchez, ça. Nous avons dans le parc level. De Saint-Marc, vous comprenez bien. Il a fait pas blé. Oui, et non. Si on a côté d'insécurité, il a fait pas blé, vous ne pouvez pas tisser. Non, vous pouvez aller dans la salle. Vous pouvez aller dans la salle. On a une sécurité, on a une salle sous dos là. Bon, non, il n'y a pas homologué. Bon, en tout cas, bien que nous connaissons nos parents, il n'y a pas Clevel, de Saint-Marc, il n'y a pas Félix Saint-Victor. Il n'y a pas homologué. Il n'y a pas homologué. Parce que vous voulez, mais il faut que la journée pour jouer. C'est vrai, il n'y a pas homologué. Donc, il n'y a pas répondu. Un norme que FIFA établi pour match international jouer. Sauf le statut de bâton. En tout cas, nous suivons pour nous connaître qui Jean Sabralier pour la sélection nationale haïtienne de football. Actualité où il n'y a pas continué toujours à l'échelle nationale. Un jeu centre panaméricain qui a fait dans le pays Chili, dans le basketball 3 contre 3. Haïti lui-même a bien pour jouer contre Venezuela. C'est pral samedi cap 21 octobre à 2h haïtienne. Et puis, dans le même jour samedi, ça, nous avons joué contre le Brésil. Brésil lui-même qui est en quatrième. Et c'est la quatrième équipe et dans zone là. Hein? Et puis Venezuela, lui-même qui est en cinquième position. Et Haïti qui a bien pour jouer au basketball. Basket, je regarde les matchs, même match international, compétition internationale, Brésil, Venezuela. On est bon, on a le basket là. On a fait nous. Il y a un raclé. Oui. Mais bon, et nous avons des gens qui ont quelques talents, et nous sommes capables de gommer avec eux. En tout cas, nous avons prétendu, et samedi, et cap 21 octobre, là, côté Haïti, lui-même, là, pour jouer, et bien, cap fait premier sortie contre Venezuela, et bien, dans le même jour, ça met là, ouais. Nous avons joué contre Venezuela. Oui, voilà. Et actualité, il n'y a pas continué toujours, et bien, week-end, ça a été bien marché là pour France Di Piero, qui marquait et troisième goal pour deux matchs qu'il jouait, et pour saison là, avec équipe Maccabi Haïfa, et bien Fonzi Piero là qui a bien comporté avec équipe Maccabi Haïfa. On doublé, oui, c'est on doublé. Et qui la victoire. Voilà qui est d'équipe et Maccabi Haïfa lui-même gain équipe Netanyahu et bien dans championnat israélien. La locomotive vête. Équipe ça. Équipe locomotive Maccabi et son équipe qui jouait et tout devant et puis Gen Dickens et Nazon Jodian là tout et qui marquait pour équipe li ça fait là et 7e goal dans 9 matchs qu'il marqué dans Pava Liglan dans pays la Bulgarie et bien qui marquait Jodian pour le CSKA Sofia contre équipe Locomotive Plovdivlan et bien Dickens Nazon capable confirmer et formé là et bien pour début de saison mettre là un coach Zagalo dans Pava Liglan dans pays la Bulgarie. Ouais, ça veut dire qu'il faut frapper pour les sélections sérieusement. Il n'y a jamais marqué Golo à Gabarelio. C'est ça? Moi, je ne parle pas d'un exemple, même ici. Il faut faire un bail pour Haïti. Tu ne vas pas faire un bail pour ça, moi, je ne parle pas de lui même. Il faut faire un gol, faire un gol dans le club et puis ou pas qu'à. Et puis, ou pas qu'à prendre sélection, mettre sous dos. Je ne comprends pas. Non, on va pas dire ça même. Bon baguette n'est gap fait goal dans club mais les revenir dans sélection. Non, faut les faire comme. Allez, n'est qui fait ça. Pas ni mon examen. Un examen terrible. Ouais, n'est qui fait ça. Oh. Mon baguette plus bon que vous. Ou quitter sélection ou tu pas jouer. Sélection aller, il faut pas quelle bagarre, les tunnels, les monter dans les gars, faire tout bagarre etc. L'autre tourné, on a là et puis ou pas maintenir stand dans ça. Ou tu n'as sélection et l'eau et vous pas gagner standing down. Non. Vous parlez de ça. Toi, les qualifiés Haïti, vous répétez ça, ma parler de vous. Mais c'est joué pour vous qualifier. Ah, mais. Vous voulez nada. Et puis, mais c'est eux qui font pas son belle prestation dans le ball cap. Ah, pas oublié. 2019. Ah, oublié, vous êtes là. Et puis maintenant, c'est Charles Ewol Junior qui m'a congolé et qui est de l'équipe Li et Siba OFC lui-même et gagné là hier dimanche là dans le playoff de la Ligue et Dominicaine. Et bien hier dimanche là, dans victoire 3 goals à 0 de Siba lui-même crasé l'équipe Atlantico. Moi, Charles Ewol Junior, je dis bon, mais un problème, même pas dit nous va parler, mais a fait pas la République Dominicaine dans le jeu. Même musique, ça n'a pas jamais intéressé, je ne vais pas bien dans des musiques. Même parler des pays, ça n'a pas intéressé.
Il y a un problème avant, mais maintenant c'est dans le sport. Oui, ouais, même d'où même. Mm-hmm. Même ça va intéresser de parler des paysans même. Même de parler des paysans non. Et puis actualité au cap poursuivre sous antenne 99.9 chaîne 12 là, gain Valentina Onis mais qui marqué premier goal hier dimanche là tout, et bien c'est qui c'est pour nouvelle équipe li qui c'est Oka tout Brinas bien dans finale tournoi pour vinn Sial Asso et Guias en Équateur, et bien à peine arrivé Grenadiers ali même et qui marqué et premier goal li sous couleur équipe ça. Valentina Onis. À peine arrivé. Mm-hmm, l'équipe ça. Et c'est nouvelle équipe lui. Ah bon? Mais là, on va être arrivé. Valentina, il est votre 9 fois aller dans l'Équateur là. Oui, mais c'est nouvelle équipe lui. Nouvelle équipe lui, ouais, l'équipe d'équipe donc. Mm-hmm. Mais nous souhaitons le bon chance donc, ouais. Valentina Onis. Ah ben, nous avons souhaité qu'elle était sous même lancé à mettre l'ins. Oui, oui, elle était sous même lancé à mettre l'ins. Vous avez même vu la. Et pour tout en forme. Moi, je sélectionne femme nom d'elle net à 100%. 100%? Oui. Et puis équipe Olympique Lyonnais, et bien gain équipe Paris Saint-Germain, yon gol à 0 Val et Melchidel Dimoné, et bien t'es présent et dans match ça pour équipe Olympique Lyonnais. Ça font deuxième fois là, yon gain Paris Saint-Germain. Ça font deuxième fois, yon gain des champions sur le trophée des champions. C'est Melchidel qui fait le gol là, et puis il y a encore, il y a une équipe à Paris Saint-Germain, et bien là, 2-1 à Kermar en France, Melchidel, Lyon, Lyon, c'est Real Madrid, oui, mon football forme en France. Oui, Lyon, Lyon, il est champion de oui, tout le monde connaît l'équipe Lyon et Olympique Lyon ça, mais Melchidel Dimoné, qui a fait parler de lui en deux équipes ça. Bien rapidement, on a quitté le dossier national là pour nous parler à l'échelle internationale. Et côté, nous allons parler là des championnats majeurs européens. Et rapidement, nous allons aller dans le pays d'Espagne, dans la Liga, côté 8e et journée. Et bien, tu es joué. Équipe FC Barcelone, et bien, depuis vendredi, tu es gagné équipe. Et FC Séville, c'était match choc journée ça par Ramos à 0. Ramos fait un goal. Et après on sent de Gavi et puis on coup de tête en retrait de Lamine Yamal et puis il y a un ballon qui a frappé dans Pierre Ramos qui entre dans le filet bien avant match ça Ramos était parlé de dit libéral débloqué et contre goal lui c'était contre équipe FC Barcelone pourtant c'est il même qui bat le goal. Le loto gol il est bloqué contre lui. Oui, il fait gol quand même. Même si il a l'inverse. Il fait non mauvais quand. Non mauvais quand. Et non quand l'adverse a voulu le level. Mais il n'a pas parlé. Oui, il a un petit de Rafinha qui sorti dans le match à tout. Il est blessure. Il est placé le pas ferme. Et Rafinha a commencé à monter, oui. Monsieur a commencé à monter là, Rafinha. Et puis il a blessé. Pourquoi regarder dans l'intention de ne pas qu'est-ce qu'on place. Je presque perdu. Mais c'est presque là pour 4 semaines. Pour 4 semaines, environ. Bon, il était remplacé par Fermín López qui joue un très bon match. Maintenant, jeune ça. C'est qui a fait quoi là? Non, c'est Fermín López. C'est pas lui qui t'a privé sur action hein, et puis ballon. Non, nous, c'est petit ça qui t'a fait goal dans le match avant. Oui, oui, ça qui t'a fait 2-2. Oui, oui, ça qui t'a fait dans le match contre Marocain. C'est un joueur qui gagne pile l'avenir. Et après 8e journée à tout, FC Barcelone, et c'est celle équipe qui beaucoup perdu tout en Espagne. De vous perdre, mais doit être parce qu'il n'y a pas perdu tout. Joue à beaucoup arriver. Et c'est joué à beaucoup arriver. Et puis ça va continuer dans samedi, côté équipe Real de Madrid là. Quelqu'un équipe Girona, souterrain Girona, dans Montilivien par 3 goals à 0, avec un excellent Jude Bellingham qui finit l'homme du match, qui bat un passe avec l'extérieur du pied droit pour le premier goal là, où c'est l'Udabral a marqué, et puis deuxième goal là, d'Abral finit avec Aurélien Tchouaméni sur un corner de la tête, et puis troisième goal là, après on frappe de Ocelou, et puis et Jude Bellingham qui t'a privé, le font tir rabat, ballon qui maté, et puis c'est troisième goal pour l'équipe. C'est aussi lui qui va le passer pour faire goal là. Troisième goal là. Non, troisième goal là, son frappe. Bon, match okay, d'après. Ok, ok, son, au fin de balle. Son match d'après là. Son frappe qui repousse. Fait frappe, frappe là. Gardien repousse lui. Aussi loup, mette extérieur, puis il fait passer extérieur, puis pour Bellingham qui mette le coup de patte là. Quand tu vas, oui. Ah, regardez bien. Image là, nous va pas là. C'est Vini, Jude Bellingham a vu. On va parler téléphone, moi. Jude Bellingham. On va pas aider nous image là. Bon en tout cas on fait mes parenthèses. Ouais même dit on va Real Madrid. Non, final on sont fanatiques Real fou. Son rebond, son rebond. OK, c'est pas bon. Kendo. OK. Et Ocelous. Kendo, je on a pas perdu tout nous.
J'ai la votre copain dit pas. Non. Vous pensez faire pas ça? Tout le monde. Vous pensez faire pas ça? Oui, la continue mettre la S. Oui, Mdou, et Jonah prend parler. Il était connu là, il était à 6 matchs. Mais maintenant, nous, Jude Bellingham là, est capable d'afficher une très bonne forme là, début saison là, avec l'équipe Real de Madrid là, pour 7 matchs qu'elle joue dans la Liga. Il a déjà marqué 6 goals et il a des passes décisives. Pour 8 matchs, c'est 7 goals et des passes décisives. Si nous avons été Ligue des Champions, tout goal a été marqué contre Union et Berlin. Hein, et nous sentons que c'est un joueur. Et bien, pour le moment, là, c'est le meilleur joueur que l'équipe Real de Madrid a gagné. Jude Bellingham, vraiment, qui a confirmé une très bonne forme là avec l'équipe Real de Madrid. Exactement. J'ai bien vu pour Real. Bon, nous avons un bonnet toujours. Je vais même beaucoup abdi. Je vais beaucoup abdi. Il est bon toujours. Parce que monsieur était fait signe de fatigue. Il va pas mettre monsieur dans le match. Contre la Spalmas. Ils avaient dit faut qu'on dit combat des cuirs. Voilà. Combat des cuirs. Sous que t'as privé leur fléchi là. Avait dit par contre sur monsieur non. En pile mon abdi Bellingham Bellingham. Mais on a par contre sur lui non. Si depuis coup il y a alors que t'as senti fatigue. Ou abdi mettre au repos. Bah la longue mais elle dépense un peu l'énergie tout parce que non seulement elle a fait jouer elle a récupéré tout nous elle participer tout dans récupération pour équipe bah c'est l'équipe nous il nous d'abord oui mais nous elle là Federico Valverde qui en met forme ça veut dire forme l'était affiché l'année dernière là jusqu'à présent nous pas dit le mauvais non mais c'est pas forme ça que nous elle gagne système Gabriel et ça faut être grand mon agita là système Gabriel il y a un gars en carré lui OK au grand pile terrain pour couvrir et pas menti. Et puis, il y a Joseph Bertrand Jean-Louis et qui dit qu'il est converti pour venir jouer l'équipe Real de Madrid. Là. Bon, petit bourgeois, bon, nous pas un problème avec Sordi, mais je ne vais pas venir Real de Madrid, pas un problème avec Real de Madrid. C'est une, pour ne pas dire que c'est une grosse équipe qui gagne dans le monde de football, là, qui gagne 14 Ligue des Champions, mais ça va empêcher que moi-même, je ne pas dire que je suis Raïl, mais je ne suis pas fanatique équipe Real de Madrid. Là. Na, pour profiter de ça, il y a tout et Miguel Fils Alcius qui l'a, Ludo et Ginou qui l'a, Interville Léo Ganet qui salue nous dit bonsoir à tout, qui Clama Augustin qui l'a, qui Wilkerson Basile. Et petit gardien qui l'a tout, Ivna Ekola, et puis Kono qui l'a tout, et Kade Smith, nous saluons et bien toutes les amis ça, Gen Ougan Delinois qui l'a, et puis Wenseli. Attention, oui, nous avons quatre chiffres là. L'église, nous voyons l'image à vous donner. Où c'est nous qui fait passe là pour Bellingham fait 3e goal là. Et puis Nadine Pierre et qui là, il dit c'est une situation il faut on va trouver bien. Quand il est pour me faire mal. Ah oui, il s'est dévoilé. Il s'est dévoilé, il va trouver bien. Nadine n'a venu tout à l'heure avec pour nous ça Nadine Pierre. Moi, on va trouver match, pas gardien. C'est il était joué là qui ont bon détermination. Oui, actualité au même, il y a pas continuer toujours. N'a venu tout à l'heure avec et quelques amis qui en bas live là. Et si vous jouez et Jean et Joseph Bertrand Jean-Louis et New York depuis New York pas un problème et bon ça va toujours être au même vous parlez de équipe vous pas un problème mais moi-même et pas fanatique équipe ça même pas un problème avec équipe Real et de Madrid là. Et puis et gain Nacho tout qui était bon carton rouge dans match ça après qu'il te font faute au dépens de Portu et dans un premier temps Abit central là t'a pral bal yon carton jaune et puis Valan t'a pral relé Abit central là et bien t'a pral gardé et reprisant dans Valan et puis t'a pral bal yon deuxième carton jaune qui t'a pral synonyme de rouge mais après match là Carlo Ancelotti et bien fait un bel geste et puis Nacho yon relé et Portu et bien pour excuser là et bien des tacles là yon tacle qui t'est fait avec en pile violence dans match si là mais score final c'est 3-0 pour équipe Real de Madrid là qui gagne 21 points dans tête classement et puis Jude Bellingham déjà gagne 6 goals et bien dans classement buteur Liga espagnole. El Flaco comment nous nous saluons Kirito et nous saluons maintenant ce qui était avec nous là coach Zagallo et qui était là tout on c'est lui qui est technique là et puis nous saluons DGA nous saluons tout le monde et si tout le monde capte nous 19.9 là et monde qui en bas la vie là Kirito nous saluons yo tout et sur plaisir là pour nous venir là pour nous capable pousser et pendant le championnat là.
Ben rapidement El Flaco n'a quitté Liga espagnole là pour nous rendre nous bien dans pays et l'Angleterre côté qui t'a gagné match qui t'a joué tout et dans weekend ça et bien tous des clubs qui sont dans ville Manchester ont tombé équipe et Crystal Palace hein, qui gagne équipe Manchester United là dans Old Trafford là par un goal à 0 et puis Wolverhampton gagne équipe Manchester City hein, et 2 goals à 1 ça fait deuxième et défaite d'affilée pour Guardiola. Nous connaît qui était déjà perdu dans Kaplan qui tout dit baba avec compétition ça et qui perdu dans weekend là dans championnat contre Wolverhampton. Oui, et bagaille pas bien marché même pour Pep Guardiola et parce que je dis là qu'il était éliminé éliminé dans Carabao Cup là et puis là il vient tomber la côte et Wolverhampton 2 goals à 1 et nous connaît qui pas City là après là il perdu il caillé nous connaît qui était et véritable et il a dit c'était un joueur qui était clé dans équipe là parce qu'il a gagné Brassa et capitaine là et puis Kevin De Bruyne tout équipe blessé qui pas présent et gagné Rodri et voilà et qui sous sanction on va le prendre carton rouge pas présent et là pour nous comme si performance joueur ça yo parce que c'est le voilà il y a comme si vidéo Rodri là même c'est un joueur comme qu'on est capable utile l'équipe Manchester City a mais qui pas là on a regardé faiblesse équipe Citizen dans deux matchs ça là et c'est deux défaites pour Guardiola et City là qui au moment là et c'est tout là pour l'entrée là dans la Ligue des Champions ce tombé là et quand même c'était là pour équipe Citizen là et Pep Guardiola parce que Ligue mon nomme parce qu'il a champion titre dans la Ligue des Champions c'est pas bagarre qui petit il se fait en pile bagarre là pendant saison 2022 et 2023 là et même pas si Pep Guardiola bagarre pas pris de cause parce que nous connaissons coach même les venir avec une formation qui pas marché plus rapide lui changer parce que ce coach qui bon ça et ben c'est n'a pas de temps et parce que saison là l'effet démarrer toujours là c'est du bi et compétition yo et n'a retenu toujours parce que équipe Citizen là c'est Villa gay équipe nous là la première ligue là nous accompagne nous même tant que tout coup Brighton gagner Aston Villa est-ce que sont capable qu'est vrai parce que nous là si tout victoire équipe ça fait là attendre 6 5 et 6 goals à 1 tant que Aston Villa bien beaucoup vivre dans résultat match ça Aston Villa qui crase Brighton là 6 goals à 1 c'est fatiguant qui gagne goal là pour yo et puis nous Brighton qui crase Newcastle qui bat Aston Villa avait dit ouais c'est un championnat pour ça lié première ligue là ça fait pile monde mais garder première ligue là c'est monde qui marche battre l'autre et puis l'autre croise avec l'autre équipe et puis la mettre droit et puis équipe Citizen là qui est tout le moment là difficile même penser bagaille pas prêter comme ça parce que yo gen moun surtout là yo prend Jivadjol là et qui est jeune nous là yo prend tout Matthew et Kovacic qui connaît et premier déclaré parce qu'il défend plus le temps dans l'équipe Blues de Londres là voilà embrasser c'est équipe Citizen là et pendant Gab dit dans mi-temps saison et même dans fin saison tout City capable et faire un bagage surtout là Carlo Ancelotti dans conférence de presse pour premier match et dans première journée de Ligue des Champions on demande qui équipe qui favori là pour ta remporter Ligue des Champions là il dit c'est Manchester City. On connaît c'est surprise surtout parce que City là était éliminé yo Gab dit Emilio même et match qui toi 4-0 on connaît c'est surprise parce que coach toujours fait tout année pas tout année pas même oui oui voilà tout année pas même mais on demande qui équipe qui favori là il dit c'est Manchester City pendant ce temps oui voilà l'opposé Pep Guardiola qui sont qui équipe qui va lui tout Real Madrid là c'est alors qui favori elle dit c'est consalier non Real de Madrid là et tout le monde connaît la gars sorti de là c'est meilleur club qui gagne dans affaire football là oui si vous jouez ou connaît m'pas quitter passion et couvrir me ça capable briver et m'pas équipe Real de Madrid là même connaît et c'est et puis gros club qui gagne dans monde football là mais sans penser flaco d'équipe Manchester et United là on capable dire et c'est une équipe cap marché Kloppi et Kloppan mi figue mi raisin jodi an ou gen demain si deve yo perdu qui sont pensés de Ten Hag avec équipe ça pour saison ça mais même ça crive Fernando Santos avec et sélection voilà pour le là ça parler Eric Ten Hag d'oe parce que pour ça qui ça nous ont dit ça bon pour Jean et Emilio Cristiano Ronaldo pour ça le fait pour Manchester United et Emilio on joue comme ça et on conseille si comme Kabaji et Kabaji là et Ten Hag pile bagarre il lui fait carré mais pas bien saison passée et Ten Hag joué et première ligue là et il qualifié pour Ligue des Champions c'est sans Cristiano Ronaldo malgré que nous gain respect pour Cristiano Ronaldo pour tout ça qu'il fait avec équipe ça mais c'est sans Cristiano avec non Cristiano de qui t'as allé dans Al Nassr non il veut quoi non saison c'est pour c'est après au mondial là il va le quitter bon bon c'est après au mondial là et pas dans votre oui c'est après le mondial là quoi non oui il était commencer il était jouer avec eux c'est vrai elle était sous banc et c'est après au mondial là et puis il tout fait choix le vrai et puis là c'est dans l'équipe Al Nassr et pas dans le mondial là et puis il était venu faire un poste
parce qu'il a gagné une interview, hein, ou il a gagné une interview, il a baillé, on voit avec Pierre et Morgan, qui c'est journaliste qui proche Cristiano Ronaldo, et puis ça a parlé mal. Et Manchester United a dit, ou pas qu'à pour faire pour club ça, pour espérer nous pour pas qu'à parler pour ça. On était obligé de mettre le sous sanction, et après ça, ou là, l'autre va le résilier côté, mais avant ça, il y a des gros problèmes avec Eric Ten Hag. Ça va mondial là. Mais Manchester United, même j'aime la crypto, ça qui fait l'un de ça, je 5 matchs seulement le jouer avec l'Apolloy et souvent l'équipe d'Apolloy là, il y a eu un limogil. Pour humiliation avec Cristiano Ronaldo dans le mondial là, l'écouter la presse et parler mal de Cristiano Ronaldo, qui a dit Gonzalo Ramos supposé jouer sur Cristiano Ronaldo, c'est vrai un match vrai, Gonzalo Ramos a marqué 3 goals pour eux, mais dans le match à tout. Contre la Suisse. Oui, contre la Suisse, c'était dans le 8e mois de finale dans le mondial là. Match à tout, pour les gens qui connaissent le football, qui ont regardé qui était passionné pour te aller. Si Cristiano Ronaldo te matcha tout, pas dit qu'il t'a marqué 3 goals, mais il t'a scoré quand même. Parce que si ton match qui était ouvert, Ronaldo remet matcha tout. Les matcha tout comme si son match qui ouvert, Cristiano remet genre de matcha tout, il t'a quitté le souban, il monte le bieta. Et ouais, il a payé ça contre sélection marocaine. Voilà, quand Cristiano Ramos dans le match, il n'a pas réglé rien. C'est vrai, Ramos, c'est un bon buteur. Même pas que Cristiano Ronaldo, s'il était là déjà capitaine équipe, il va mettre le souban pour Gonzalo Ramos et qu'a vini. Et c'est un mondial, Fernando Santos, c'est un billet. Si c'est Cristiano Ronaldo qui fait parler. Ok, et en entrée avec Ten Hag. Non, eh ben elle va arriver comme si avec Eric et Ten Hag. Elle dit nous avons ces billets, pas dit c'est Cristiano Ronaldo qui fait et Ten Hag coach lié là non. Mais pour Fernando Santos, il a dit c'est Cristiano Ronaldo, ça cause Cristiano Ronaldo qui fait il a parlé de Fernando Santos parce qu'il pas de monde qui connait quoi pour ça, il faut passer dans notre pays, venir prendre au Portugal à cause de Cristiano Ronaldo et il vient remporter Euro 2016 là et même Ronaldo ça al bayo Ligue des Nations. Elle dit ça qui fait Eric et Fernando Santos, c'est ça tout cap. Il fait Eric Ten Hag parce que l'on a gardé effectif équipe Manchester United là qui tout lui plaît. Parce que l'on a gardé mi-terrain seulement. L'on a gardé comme si mi-terrain, comme si qui est là qui va gagner un service, Casemiro. Comme si cap joue bien là. Et si Manchester United joue là, comme si cap joue bien là, c'est Casemiro. Pas gars sorti. Oui, le mi-terrain. Et puis l'on a gardé pour Gabriel Fernandez. Et il y a Amrabat tout. Amrabat, bon, comme moi, il coûte ça à gauche. Il fait le jeu. Il fait le jeu. Mais on regarde comme si tout élément ça a gagné Mason Marot. Comme si tout joué ça a là. Comme si okay, okay, Marcus Rashford. Rashford, nos équipes. Il y a tout. Et Christian Eriksen. Eriksen qui compte jouer bien dans l'équipe. Et oui, il faut faire le bagaille. Avec l'équipe Espouse là. Espouse de Tottenham. Parce qu'il faut faire le temps en Angleterre dans l'équipe Tottenham. Il avait dit qu'il était contre Chamonix. Il a dit on regarde comme si Buddy Foster tout qui gagne l'issue de Martinez Sivri là. Il est blessé là. Mais on regarde Luke Shaw comme si on prend Audrey Onana. Et puis on regarde l'attaque là tout. Et Anthony, comme Anthony là, il est sur la section là. Mais il retourne là. J'adonne Sancho tout. Voilà, qui est sous sanction. Voilà, qui est sous sanction. On regarde les joueurs ça, ok, du tout. C'est joué comme si pour Manchester United. Si comme si joueur ça veut respecter tête ouverte et passer Manchester United ligue joueur pour capable bataille et dans toute compétition qui a participé parce que yo gè joueur et ces joueurs ouais comme ce qui fait nous déjà et c'est tout dans club que yo dit et ben gagner et yo journaliste comme ce qui proche équipe Manchester United là qui fait qu'on est et Ten Hag là li grand pile problème par rapport les joueurs yo pas capacité si tout l'équipe comme ça qui beuri match qui est arrivé dans 60e minute de jeu dans 40e minute de jeu avait dit yo gè gros problème yo gè gros problème et il y a pas comme si remonter il va pas remonter mettre al il va pas remonter avait dit et tout ça yo c'est gros problème lié pour équipe Manchester United là parce que et capacité ça yo pas gain et qui peut courir à l'Real Madrid Ligue des Champions c'est tout dans Ligue des Champions malgré qui pas mener zo là yo golazo de golazo quand même yo prêt pour remonter pour faire yo remontada tête dans fait match faut que yo prêt pour bataille voilà il va jamais dire dernier mot mais Manchester là gros problème ça là ça grand pile parler dans équipe Manchester United là parce qu'il joue pas de capacité pour capable remonter score yo et ben c'est ça qui fait gros problème là dans équipe Manchester United là même passé Eric Ten Hag qui pas un mauvais coach parce qu'il fait pile bagarre avec équipe Ajax Amsterdam là voilà. C'est tout les font pour passer dans Ligue des Champions avec une équipe jeune tant que et Mathis Delaire dans l'équipe ça et Van de Beek Frankie De Jong et David Neres pour d'assister ça aussi voilà tout le joueur ça au milieu de l'équipe et d'autres équipes Ajax là et avec Eric Ten Hag et nous là Eric Ten Hag là dans équipe Manchester United là même pas s'il est pas un mauvais coach même pas s'il si au bal temps il capable faire un bagaille. Mais j'aime cela qui est tout, et pour moi-même, moi et Ten Hag, c'est comment qu'a agi, ni sacrifié Fernando Santos, ni sacrifié et Ten Hag dans la tête Manchester United. Oui, on a toujours été dans le pays l'Angleterre, dans la première ligue là. Et bien Tottenham, la Kylie qui gagne Liverpool par 2-1. Et Tottenham, nous est cap sous qui colle là dans le début et championnat. Oui, Tottenham là. Qui gagne équipe Liverpool là, j'ai qui nous dit là. Oui, coach là, qui pas venu comme sur ce match là. Écoute ça, il était entraîné équipe Anderlecht là.
elle était champion et puis les vins pour Tottenham là et mon quoi là nan coach et FIFA mettait là pour DBS là et pas meilleur entraîneur pour saison 2022-2023 coach ça voilà la donne. OK. Avec dit la donne c'est un très beau coach qui vient là ou vrai c'est un coach et résultat yo yo parler pour lui et parce que là s'il gagne là capable bataille avec équipe Tottenham là surtout dans première ligue là. Et puis, il y a un petit bourgeois qui félicite, qui dit qu'il bon aller de Cristiano. Pas un problème, nous connaissons. Merci, petit bourgeois, pas un problème. Oui, c'est fanatique pour Cristiano. Cristiano, fanatique Real, tout. Oui, fanatique Brésil. Oui, fanatique Brésil. Oui, petit bourgeois, pas un problème, Zami. Ok. Et rapidement, et Flaco, on a quitté le championnat anglais pour nous parler des championnats italiens. Rapidement, nous allons aller dans la série A italienne. Et côté qui a un match, l'équipe Milan CA, l'équipe crasée, l'équipe bat Lazio par 2 goals à 0. Mais l'équipe Inter de Milan, grâce avec Lautaro Martinez, qui crasée Salernitana par 4 goals à 0. Pourtant, joueur lui-même qui était sous banc international argentin, champion du monde, là, qui d'après rentrer dans le match à la 54e minute, qui arrivait marquer tous les 4 goals équipe Inter de Milan. Et c'est pour première fois tout dans l'histoire, série A, un joueur sorti sous banc pour marquer 4 goals. Oui, et depuis 1994-1995, et là tu viens avec une victoire supposée ou fait supposé faire 3 points et là tu échanger et format ça victoire c'est 3 points lié et là c'est à tu commencer avec en 1994-1995 pas jamais un joueur qui fait ça pour sortir sous bon marquer 4 goals et bien c'est bien pour Lautaro Martinez c'est un bon attaquant lié mais nous pas comprendre dans mondial là on va connaître aussi ses positions mais il fait une grosse saison tout avec équipe Inter de Milan il vient dans mondial là avec une fatigue quand même et ça fait Julian Alvarez même là joue bien assez il vient pour place en mais Lautaro Martinez c'est un bon attaquant comme dit Argentine gagne deux bons attaquants là et Julian Alvarez avec Lautaro Martinez parce que c'est son capable de sélection ça veut dire là fanatique argentino capable de compter sur deux joueurs oui oui deux ça yo et c'est vrai nous performance Lautaro dans l'équipe Inter de Milan c'est pas même performance dans l'Ibaï et dans la sélection d'Argentine oui mais s'il gagne confiance oui et confiance dans l'équipe nationale libre parce qu'il a capoté résultat parce que Lautaro Martinez c'est un joueur qui connaît faire gol en pile et c'est tout là qui c'est capitaine d'équipe Inter de Milan là tout qui est tout et c'est premier joueur tout Inter de Milan depuis saison 1973-1974 et pour non et 7 journées pour un joueur marqué 9 goals marqué 9 goals et Lautaro Martinez qui a bien là avec l'équipe Inter et 2000 ans là mais pour fanatique Argentino capable dire que deux bons attaquants là c'est moment lié Lautaro avec Julian Alvarez et si Venou qui t'a quitté pour premier ligue là et Green Gold City c'est Julian Alvarez qui va marquer le sous coup donc la capteur ou la plusieurs fois là et qui toujours réussi et Julian Alvarez sous coup franc et bien Lautaro qui marque 4 goals pour l'équipe Inter 2000 qui casse ça étant là 4 goals à 0 Kirito. Et puis gain Ednel Jean-Claude nous salue lui et qui toujours là avec nous l'interview Léo Ganet et bien Nadine Pierre et qui l'a tout ses amis nous à Boisite Miguel fils Alcis oui, Miguel et ça fait longtemps bon, Miguel et c'est pas nous et bon, Clamart Augustin comme bague téléphone tout bah gardien Miguel là beaucoup de temps parler de Miguel Miguel a fait pas bah ouais et puis n'a quitté championnat d'italien pour entrer rapidement dans Ligue 1 en France et bien ça va mal encore une fois pour l'équipe Olympique de Marseille là malgré que yo changé coach yo vini avec Gennaro Gattuso mais ça pas empêché que yo tombé devant équipe AS Monaco qui gagne par 3 goals à 2 et puis équipe Paris Saint-Germain qui fait match nul tout contre Clermont dans journée ça. Oui, et première défaite pour Gennaro et Gattuso dans cette équipe Olympique de Marseille là, était en déplacement la caille Monaco. Monaco qui bat 3 goals à 2, c'était un bel match de football qui tout. Et moi c'est vrai victoire venu et Marseille était prend avantage sur équipe Monaco en match à Tevin et 2 goals à 1. Alors ça et équipe Monaco d'abord le faire, yo remontada d'abord gagner Marseille 3 goals à 2, mais sur équipe Olympique de Marseille là, dit pourquoi nous pas pour car j'ai trop parce que c'est premier match Gennaro Gattuso mais si nous étions dans le match nous et Olympique de Marseille et jouer au souk quand même n'a pas plus mais Gennaro Gattuso malgré premier défaite lui même pas cela s'il gagne titre là ligue jeune en main c'est tout gagne Alexis et qui Sanchez Alexis Sanchez Joaquin Correa j'entends ça si au bal de là même pas c'est capable faire un bagage Gennaro Gattuso et Monaco qui bat à tout c'est Monaco qui gagne tête classement na ligue et tout ka bien comment là tout et moi et yo et ba moi long c'est même qui en première position dans classement ligue 1 pendant saison 2023-2024 là
Oui, mais Paris Saint-Germain même qui fait nul. Nous connaissons week mercredi Cap Vina Cap qui pour le jeu contre Newcastle et dans Ligue des Champions. Ah, et puis dans Newcastle là qui est tout et qui est il fait là mon là qui est pour là pratique Newcastle parce que il fait là et pas jamais jouer un match là caillou. Mais ça va arriver là, c'est pas le côté et Paris Saint-Germain, Paris là qui n'ont pas eu de crise dans les mêmes rapides. Ça fait Ligue des Champions. Oui, voilà, on a fait Ligue des Champions parce qu'il pratique à obtenir Ligue des Champions. Non mais l'équipe PSG, c'est l'équipe en France qui champion, c'est l'équipe olympique de Marseille, qui champion en 1993, c'est l'équipe Milan, c'est Ayongola Zero. Ça fait toujours dit, eh bien, meilleure équipe qui est en France, c'est olympique de Marseille. Malgré tout le monde parle, même à passer là, ce passé là, on va dire, il y a une meilleure joueur qui gagne dans le monde de l'Union Andrés Messi, il est passé Neymar Junior, malgré qu'il y a Mbappé là, tout le même Cap Souké Cole, qui Paris Saint-Germain, il était passé tout Sergio Ramos. Si on parle de défenseur là, c'est tout dans 10 dernières années, on n'a pas mettre Sergio Ramos. Ça veut dire, malgré ça, Paris Saint-Germain, mais pour Kajamou ici, pour remporter une Ligue des Champions, malgré qu'il a démarré et début Ligue des Champions là, bien parce qu'il a fait victoire à la Soubouissa, d'autres mondes de Golazé, c'était dans le premier journée là, le deuxième journée là, il y a eu un déplacement à la Kajamou Castel, c'est Goufet là, et qui est là, et nous Castel qui est un fanatique qui est un peu là, il a eu un attendre pour recevoir l'équipe Paris Saint-Germain, et après Paris là, il a fait match là contre Clermont 0-0, et pas le jeu là contre nous Castel, et parce qu'il y a du tout, et si Paris besoin. Et besoin là pour capable arriver là et puis lui dans Ligue des Champions là pour saison 2023-2024 là faut capable sortir avec un beau résultat la caille équipe nous Castel là et c'est tout qui n'a premier degré et qui te joue un gros match contre Milan AC les Adwal sauver match dans Santiago 0-0 contre équipe Milanaise là et bien la caille là on va chercher et premier et victoire et bien pense Paris là le même tour capable et prêt chercher une victoire tout capable et conserver tête classement avec 6 points parce que ça fait au bien même parce que nous Castel Paris là et pour moi même Bayern Castel il tient avantage sur équipe et puis et par rapport à championnat et lié et par rapport à Joël Gayen par rapport à une ambition parce que nous sommes Paris là dans la Ligue des Champions à ceux qui comme si Cap Joué Cap dépasser l'argent mais qui va gagner une ambition vrai pour capable connaître pour remporter en Ligue des Champions malgré les objectifs voilà oui c'est remporter Ligue des Champions mais on va garder jouer yo comme si depuis le début de Barcelone pour 4-0 match qui tout à l'heure 6-1 remontada Barcelone c'était fait sur yoa à ceux qui comme si qui pas gagner l'ambition sauver pour le dire que et saison ça tout joueur motivé pour une Ligue des Champions à Paris qui pour aller et c'est tout là et nous avons tout problème qui est dans l'investisseur qui Paris c'est jamais malgré des paroles le donnant des spécifiques des panneaux imaginaux Paris toujours nous au pays de crise là et au investisseur là oui Paris toujours un problème comme ça là parce que là si tout le monde prend là parce que Mbappé lui-même là c'est mon niveau qui pourra commencer match les gens ça la casse équipe là voilà casse équipe là et puis malgré et Tiloulou la région là tout Tiloulou lui-même nous son coach qui a bataille a dit c'est pour poser ce ballon a dit comme si son coach lui dit si vous faites deux fait plus passe et ben ou a bien match ça bien ça tu nous même jouer pour te pas s'allier voilà c'est les attaques voilà mais son coach comme si pour moi même là moi c'est ça la fin équipe Paris Saint-Germain elle lire mes ballons c'est vrai ça avec ballon on va pouvoir faire goal moi on va tout passer ballon passe ballon on va comme si percer pour chercher yo grand goal et ouais tu nous même si fait jeu passer ballon mais pas qu'à jambe pour te danger vrai comme si sur équipe vrai comme si équipe a tellement et besoin goal mais nous qui remet ballon ben pour équipe PSG là et n'a garde effectif Paris l'effectif et nous Castel ça fait zoom ben nous Castel tiens avantage sur équipe Paris Saint-Germain là mais le Castel captain PSG pour deuxième journée Ligue des Champions pour saison ça eh ben demain si TV c'est pour la deuxième journée Ligue des Champions côté qui pral gain deux matchs et choc dans journée ça gain Inter de Milan la CA qui recevoir équipe Benfica qui était tombé dans première journée à contre RB Salzbourg et je te fais là une belle victoire là tous sur équipe et sur équipe et Porto là yo bat Porto yo goal à 0 c'était choc et Benfica c'est Benfica qui gagne goal là pour yo ça fait le 5 goals et voilà ça fait Dimaria 5 goals et ben là il me croise équipe et Inter qui était au oui. Metricadio 2023 c'est même et puis équipe Napoléon la Cali qui retient équipe Real de Madrid lancé pour demain à 3h équipe Napoléon qui était son belle victoire là tout et dans championnat d'Italie oui belle victoire et j'ai battu ici 4-0 regardez tout pour deux derniers matchs là tout il a marqué 5 goals et au papa bon c'est là il y a confiance pour aller jouer en déplacement ça contre équipe et Napoléon c'est vrai il est arrivé qu'il tourne nous pas le fini et que Carlo Ancelotti avec Federico Valverde c'est deux c'est ça qui tient en confiance des presse et avant match là parce qu'il a et quand la galerie de la faute tirer le ball là dans le stade Sancha et dans stade et Armando et Maradona et la Cainap en pour une précision et bien avant stade ça était le San Paolo voilà, c'est après la mort Diego Maradona pour ça Diego te fait avec l'équipe Napoléon voilà, et qu'il y a là c'est Armando stade là beau de nom non ça oui
Et puis, pour nous mettre en bout pour aujourd'hui avec approche au stade, il y a Lamine Yamal, hispano-marocain, jeune joueur de 16 ans, qui prolonge avec l'équipe FC Barcelone jusqu'en juin 2026. Oui, c'est Obi Bagay Kenito. C'est toute la famille joueur qui était débarqué. Mm-hmm. Je dis là, voilà. Pendant jouer à tape pour prolonger le contrat, et belle image Kenito pour être toute famille venir encourager. Et pendant la petite psy, pendant que tu as prolongé le contrat avec l'équipe FC Barcelone, parce que c'est au jeune Kenito qui gagne la fin. Voilà, qui gagne la fin. Dans jouer là, c'est quand même utile l'équipe FC Barcelone dans la sélection espagnole. C'est là tout. Nous avons mis un bout avec un poche au stade pour après-midi. Nous sommes contents pour nous déposer l'émission ça et pour toutes les amis, toutes les amis qui sont en bas live là, qui tapent écrit, tout ça qui n'a pas de chance, écrit tout. Et nous aimons toutes, nous avons un rendez-vous. C'est pour demain. Bon, comme a bien Ligue des Champions, oui, demain a bien Ligue des Champions. Voici bon, on pas les tout analyse avant match. Oui, avant match. Bon, chacun nous on a habitué faire. Qui fait là bon 25 yeah, nous avons supposé là pour nous faire analyse avant match. Aller, voilà. N'a bon rendez-vous c'est pour jeudi prochain avec Prochou Stade. C'est un plaisir. Bonsoir Kevin, bonsoir Winsley et bon après-midi tout le monde. Allez.